Salut à tous, c'est Neozir, on se retrouve pour la vidéo sur GTA 5. Donc aujourd'hui j'ai un nouveau glitch pour vous. Donc c'est un glitch RP illimité, donc vraiment facilement hein, et rapidement et tout seul, pas besoin d'un coéquipier, donc ça c'est vraiment le top. Alors pour commencer, vous allez lancer une mission donc en ligne, hein, vous allez sur mission de Rockstar et vous lancez Covoitizer. Si je l'ai bien dit, hein. Je sais plus c'est vraiment ça, mais bon, vous avez vu à l'image, hein, c'est pas compliqué. Donc là, vous avez juste à mettre en facile et vous lancer directement. Il y a rien d'autre à changer. Et là, bon là, il y a rien à faire plus rapidement ou pas. Vous prenez votre temps, vous prenez un petit sniper, vous les niquez tous, hein, vous les tuez. Donc, vous les tuez un par un. Il y en a un petit peu de chaque côté de la map. Là, je galère un petit peu quand même. Hein. Vous allez voir qu'il y a des moments, il y en a, ils courent comme des lapins. Donc c'est un peu chaud de les tuer, comme lui là, lui court super vite. Donc vous tuez tout le monde et après voilà, je vais vous dire la suite dès que j'ai tué tout le monde. Alors en attendant, moi je vous invite à aller liker ma page Facebook. Si vous avez des questions ou autres, et ben vous pouvez liker, comme vous pouvez m'envoyer des questions. Hein. Je réponds presque à tout le monde parce que j'ai beaucoup de monde quand même. Et aussi je propose des vidéos, des concours, tout ça. Je fais beaucoup de choses sur Facebook. Donc si vous voulez parler avec moi, il n'y a aucun problème sur Facebook. Hein, je me répète un petit peu. Donc dès que vous avez tué tout le monde, il y a un hélicoptère qui va arriver. L'hélicoptère, c'est un cargo bob. Alors vous allez le prendre. Et franchement, faites gaffe. Hein, j'ai recommencé au moins 3-4 fois parce que c'est vraiment chaud de poser le cargo. Donc vous allez voir, donc vous prenez le cargo bob. Et là, vous avez un gros cargo à apporter, en gros à porter, mais le glitch il va arriver maintenant hein, donc en fait si vous voulez vous devez le prendre et vous repartez où on était, où on a pris le cargo bob. Donc vous faites comme moi, donc franchement faites-le doucement parce que sinon vous allez rager, parce que moi franchement ça m'a saoulé hein, c'est vraiment chiant. Donc en gros, si vous posez le gros cargo là, le truc là vert, si vous le posez qui est à l'envers, boum, vous devez recommencer. Donc voilà, faut vraiment bien le poser. Donc vous faites comme moi, vous le posez une fois et après vous stabilisez au-dessus. Franchement, faites comme moi, c'est une bonne méthode, vous stabilisez au-dessus et vous le prenez à chaque fois, vous le relâchez directement. Faut pas qu'il se lève, comme ça au moins vous n'allez pas le mettre à l'envers ou quoi. Donc voilà, moi je faisais ça et ça marchait plutôt bien. Donc après, trouvez votre méthode, trouvez le juste milieu hein, pour pas le retourner. Parce que si vous le retournez, vous devez tout recommencer. Et à chaque fois, retuer les gens, tous les ennemis, là, les retuer pendant 3-4 fois, c'est vraiment chiant. Donc là, je l'ai fait peut-être 3-4 fois le truc, là, le prendre et le relâcher. Mais plus vous allez le prendre, et plus à la fin, le bonus d'XP sera meilleur. Hein, c'est automatique, c'est normal. Donc après, c'est à vous de le faire autant de fois que vous voulez et le temps que vous en avez marre. Hein. Donc là, je vais bientôt arrêter. Je l'ai fait quand même ouais, peut-être 5-6 fois en fait. Hein. Donc là, voilà, je l'ai pris. Et dès que vous en avez marre, vous le prenez. Et vous allez à la zone qui demande, hein, au point jaune. Donc en attendant que je fais la route, j'essaie que Bisonka l'a sorti le même glitch aujourd'hui. Bon, je suis abonné à sa chaîne, hein, j'aime bien ses vidéos, donc c'est normal. Donc je le dis, moi je préfère le dire, je suis pas une doublette ou rien du tout. Ce glitch, je vais vous l'avouer, je l'ai trouvé grâce à un américain. Donc je l'ai sorti en français pour mes abonnés. Donc voilà, après Bisonka fait ce qu'il veut, moi je fais ce que je veux, hein, pas besoin de me dire voilà que j'ai fait pareil que lui. Donc voilà, vous pouvez voir que j'ai quand même gagné 12 000 dollars et une bonne somme d'XP. Donc c'est vraiment un bon glitch, hein. Même pour l'argent, franchement moi ça me plaît, hein, surtout que là je suis ruiné avec la maintenance. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Allez, ciao.